C'est bon, nous sommes prêts pour notre découverte de la démo de Soul Mask. Soul Mask qui sort sur PC. Alors, je crois que ça va être un jeu pour l'instant exclusivement PC. Attendez, faux départ, bon, demi-vrai départ. Voilà, puisque j'ai un doute sur cette information. Je n'ai pas l'information du prix du jeu. Je sais qu'il sort le 31 mai sur Steam. Mais est-ce qu'il sort que sur Steam? Ça par contre... Non, oui, c'est ça. C'est un jeu du coup exclusivement PC. En monde ouvert, où du coup on peut jouer seul ou à plusieurs. Là moi je serai solo aujourd'hui, puisqu'on est donc sur la démo. J'ai eu la chance d'avoir voilà, cet accès anticipé, donc je n'ai pas de clé du jeu, hein. J'ai vraiment juste un accès à la démo. Et puis voilà, donc il n'y a pas tout, on est sensiblement possible, c'est pas très français mais vous avez compris, qu'on va avoir des bugs, tout ça, voilà. Ils s'en cachent pas, ils l'assument, ils le disent tout de suite au lancement du jeu d'ailleurs. Donc ça n'excuse pas tout, hein, bien sûr, mais il faut quand même en avoir conscience aussi. C'est une possibilité qu'on va avoir. Niveau histoire, on s'apprête à être sacrifié et visiblement on n'a pas très envie que ça arrive. Et on retrouve un masque ancien qui a des pouvoirs mystiques. Et c'est un masque qui va nous accompagner tout au long de notre survie. Parce que là on est vraiment sur un jeu d'aventure survie. Où on va devoir se créer une tribu, avoir des alliés, se nourrir, etc. Et utiliser donc les pouvoirs de ce masque, notamment dans les phases de combat, etc. Voilà grosso modo ce que j'en ai compris, mais niveau gameplay, j'en sais rien du tout. Je sais pas ce que ça va donner. Donc on verra bien. Alors, attendez. Parce que j'ai rien cliqué. Oui, alors ça je sais que c'est un accès limité, machin, patacouf. T'es obligé de jouer en ligne. Ok. Je croyais qu'on pouvait jouer solo, moi. Bon, très bien. Par contre, il faut savoir, parce qu'il y a les serveurs officiels. Où ? On n'a qu'un seul serveur européen. Ok. Et il y a 18 joueurs. Qui seront gentils. S'il vous plaît, tapez pas. Donc je sais pas trop par contre comment ça va se goupiller, on va dire, d'un point de vue là pour l'instant le multi. C'est fort et ça l'aille. Ok, bon, je peux vous remettre le son. Voilà. Création du perso. Bon, là, c'était très fort et tout lagouillant. Je ne sais pas si c'est normal ou pas. On verra bien. On peut supposer un mode local à la sortie, j'imagine. J'avoue que j'en ai aucune idée. Hein. J'ai pas eu d'informations sur le jeu à proprement parler. Mais c'est possible. Par contre, pourquoi le bonhomme est flou ? Je ne sais pas. Là, on est dans les hommes. Là, c'est les femmes. Ok. Alors, par contre, vous allez vous calmer sur les nichons. Non, mais c'est une blague, les gars. Enfin... c'est indécent. Non, franchement, c'est grave. Ça, c'est le minimum que tu puisses mettre. Bref. Je dirai rien. On va mettre brun... Visage, j'ai pas choisi de visage, j'avoue. Vas-y, mets-lui. Oula ! On peut te taquer !
Okay. Bon, niveau son, par contre, ça va pas du tout. Je vais essayer, quand il y a une cinématique, de vous le baisser. Mais c'est extrêmement fort. Je peux rien faire parce qu'on a déjà baissé le son. Et là, il est tout faible. Ça n'a pas de sens. Bon, du coup, dans notre fuite. Dans notre fuite, pour ne pas être sacrifié, on a trouvé un masque. Masque qu'on peut donc désormais personnaliser et surtout, et notamment plutôt, choisir un style de masque. Ça, je ne savais pas. Je pensais plutôt qu'on aurait un masque de base et qu'ensuite on lui ajouterait des attributs au fil du temps, mais visiblement non. Donc là, on en a trois pour l'instant. Civilisation, conquête ou fertilité. Fertilité, la surface du masque est ornée d'étoiles scintillantes brillant dans la nuit noire. Les deux yeux forment des arcs mystérieux qui semblent pouvoir capturer la beauté du monde. Donc il me donne des attributs. Ok, trajectoire des flèches. Des bêtes. Parle de poison. Plutôt archer, du coup, si je comprends bien celui-là. C'est quoi le rapport avec le thème fertilité? Pas compris. Conquête. Les petits trous des yeux semblent profonds, presque sans fond. Comme s'ils pouvaient scruter tous les maux du monde. Les dents sont si pointues qu'elles sont facilement effrayantes. Dégâts de chute. C'est bien ça, l'amortissement de la chute. J'aime bien ça. On fait moins de bruit. On augmente l'XP en tuant des êtres humains. Nanana. Ok, c'est plutôt furtif ça. Et civilisation. Les deux trous ronds des yeux révèlent un soupçon de dignité et de majesté. La bouche légèrement ouverte semble chantonner quelque chose de sacré. Ok, donc là on est plus endurant. On se repose mieux. Alors le jeu qui soit déjà traduit en français, du moins en grande majorité, parce qu'on a quand même des termes peut-être encore un peu mixtes, on verra bien. Cela étant, c'est quand même appréciable. Là, on est plus robuste, je dirais. Moi, j'aurais peut-être plus fait celui-là. Ensuite, donc, ce qu'on peut changer, c'est la couleur du masque en lui-même et la couleur des pupilles, donc des petits cercles. Moi, je vais faire un masque rose avec... avec ça, voilà. Et je m'appelle donc... hop. Oh mince, je m'étais pas encore mis en couverture, je croyais. Danae Freya, voilà. Personnage créé. Attention à nos oreilles, on n'est peut-être pas prêt. Je me prépare. Il faut que je baisse. Non, ça s'est calmé, visiblement. Limite, on a un son qui n'est pas en lien avec l'image, on dirait. C'est bizarre, non? On est rentré là et nous là là. Oula! Wow! Ok, alors, on va se remettre là où j'étais de base. Tutorial progression. Ouais. Alors, attendez. Est-ce que je me suis mise en QWERTY ou pas? Maintenant, oui. Donc, l'objectif, c'est de faire quoi? L'essor d'une nouvelle tribu. Équipez des armes et des outils. Construisez un abri. Recrutez des membres de la tribu. Attribuez des tâches. Débloquez des commandes. Établissez votre propre tribu. Ah ouais. Très bien. Donc visez les buissons à proximité, appuyez sur E pour collecter 5 fois. Ah, il y a quelqu'un. Bonjour. On est vers la cible. Ok. Donc là, il y a des lianes. Ok. Donc il faut des petites pierres et des branches. Alors bien évidemment, nous, on y va de nuit, hein, donc on n'a pas de chance. Il est 23h, on a le temps en haut. Si on prend le temps, on va être regarder l'interface. Les quêtes en haut à gauche, à droite, la température, la boussole et le temps.
En bas, là, on a nos actions, visiblement, de combat, pour se déplacer, etc. Notre barre avec... on va avoir la santé, notre niveau de faim, soif, etc. Doit être notre énergie, la barre verte, j'imagine. Et ça, c'est nos raccourcis. Okay. En vrai, niveau positionnement avec la caméra, là, je suis pas gênante, je pense. Enfin, je pense que c'est le moins pire. On est où vers la cible? Ah, je suis en face quand même. Bon, je récolte à manger. Je prends des niveaux. Très bien. Je peux pas me maintenir appuyé. Attendez, on va faire ça parce que sinon ça va rester en plein milieu de notre écran. Donc là, on a le tuto. Donc trois niveaux différents. Intensité de la conscience, niveau du masque et niveau du perso. Ok. J'aime pas quand on a 32 000 trucs à lire. lorsque vos membres de tribu effectuent certaines tâches, on gagne de l'XP. D'accord? Donc l'XP serait collective. Ce qui est bien. Donc si tu veux monter, il y a visiblement... Enfin, il n'y a pas une compétence combat. Il y a une compétence combat par arme. Donc forcément, il faut que tu utilises l'arme en question pour monter la compétence. Parce que là, ça se tient. Dissuasion est la première étape pour recruter les membres dans votre tribu. D'accord. Lorsque vous réduisez suffisamment les PV d'un barbare, sa volonté n'est pas assez forte pour résister au pouvoir de dissuasion du masque. Le barbare tombera dans un coma pendant lequel le masque lui montrera des connaissances sur le progrès et la force, suscitant en lui un désir d'amélioration et progressivement une loyauté envers vous. Ah, on est obligé d'avoir une loyauté par... D'accord. C'est pas très kiki-friendly tout ça, hein. Alors, la nourriture liquide est le seul type de nourriture qu'un barbare dans le coma peut ingérer. Ouais, donc on a de la cuisine, très bien. Donc, bouillon de viande ou infusion de destas sanguine. Ah bah ça a l'air bien ça, dis donc. D'accord. Lorsqu'il se réveille de son coma sous vos soins attentifs, sa loyauté envers vous augmentera à plus de 500 et vous... pourrait alors le persuader de rejoindre votre clan comme membre de la tribu. À ce moment, vous pouvez consulter son profil détaillé pour comprendre ses compétences et ses points forts et faibles, puis décider de le garder ou de le renvoyer. Faites attention à son potentiel de compétences et ses talents. Cela signifie ordonner à un membre de la tribu de vous suivre au combat. Il y a un petit singe. Il arrêtera tout le travail en cours pour se concentrer exclusivement sur vous protéger. Équipez-le d'armes appropriées, de suffisamment de nourriture, d'eau, de bandages médicaux. Ou en gros, tu l'équipes et il est prêt à tout donner pour toi, quoi. Bon appétit, Raph Disney! On continue. Pardon, j'ai pas fait la bonne touche. Dans les mystérieuses ruines de la forêt tropicale orientale, des technologies de civilisation avancées subsistent, capables de réparer les modules du contrôle du masque. Une fois réparés, les masques peuvent être transférés sur n'importe quel membre de votre clan ou permettant de contrôler la production et le combat de vos membres. Ah oui, d'accord. C'est pas... Enfin, ça commence par la dissuasion, mais finalement, après, on peut vraiment les contrôler. J'ai sûr qu'il est très bienveillant, le masque, là. Parce que je le trouve un peu... je sais pas. Pas très kiki-friendly, ouais. Sur la carte, vous verrez des symboles indiquant des postes de guet de tribus primitives dispersées. Ok. On peut voir aussi des ruines, des vestiges ou des campements de barbares. Ah, il y a aussi des animaux, donc. Des trésors tels que émeraudes et pierres solaires. Les grands points d'exploration sont généralement des camps de barbares. Ok. Les ruines terrestres sont occupées par plusieurs puissants chefs pillards. Eux et leurs guerriers les plus forts portent des masques tout comme vous. D'accord. Donc en gros, leurs guerriers à eux, on peut rien faire contre eux parce qu'ils sont déjà sous le pouvoir de ce masque-là. Donc du coup, ils sont totalement insensibles à nous, quoi.
Les entrées des ruines souterraines appartiennent à une civilisation supérieure, occupée soit par des bêtes féroces, soit par des pillards. Ces meurtriers brutaux n'ont pas la capacité de pénétrer dans les profondeurs d'un donjon. Donc sont des résidents des guerriers mécaniques invincibles. Okay. Pierre Griffe et Crovenimeux sont trois puissantes tribus primitives formées après de longues guerres. Ah, il y a eu des bruits. Non mais par contre il est... Ah, il est pas bien ce tuto. Non mais c'est pas méchant de dire ça, mais parce que c'est vrai qu'on pourrait me trouver très négatif sur le jeu. J'avoue que pour l'instant la première approche n'est pas très bonne. Disons qu'ils m'ont pas pris par le bon axe de prime abord. Cela étant, je sais faire la part des choses. Là, en fait, lire 3000 plombes de trucs pour te prendre une vague d'informations, limite, c'est triste à dire, mais je préfère un Ark Survival Evolved où tu vas popper sur ta plage, tu sais rien faire, tu connais rien, tu sais pas ce qui t'arrive, et au moins t'as le temps de l'apprendre petit à petit. Là, t'as l'impression qu'il faut que t'apprennes tout ça maintenant. Parce qu'en fait, sinon, tu comprendras rien. Vous voyez ce que je veux dire? T'as pas une phase évolutive. Il faut que tu comprennes qu'autour de toi, t'as tout un écosystème bien pensé en termes de hiérarchie avec les tribus, les animaux, les collectibles, etc. T'installer toi aussi, survivre, du coup. Et je sais pas, ça fait très... Pouah, vas-y, je t'attaque avec ça. Enfin, moi, je sais que ça me... Oh là là. Lire 12 000 plombes... Enfin, t'es là pour jouer, t'es pas là pour lire un bouquin, quoi. Si je voulais lire un bouquin, ben, j'irais lire un bouquin. Voilà. Là, c'est trop, tu te perds. Ben, un petit peu, parce qu'en plus, bah, tu sais qui est ton ennemi, du coup, et qui peuvent être tes potentiels amis. Enfin, amis, sachant qu'on fait de la dissuasion face à eux, qu'on va les foutre dans le coma. Bon, je sais bien, je parlais de Ark. Dans Ark, quand même, par exemple, si tu veux être ami avec un dino... Tu vas le ratatiner, enfin, tu vas lui mettre des flèches pour qu'il dorme et tu vas le gaver de narcotiques et de nourriture pour qu'il devienne ton ami. C'est un peu pareil, je suis d'accord. Mais quand même, c'est un peu violent. T'as même pas de réel contexte sur les mots. Bah, pas tout à fait, ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous sont abstraites. On vient d'arriver, on connaît pas, nous. Salut, Alphabet! Non, le jeu n'est pas encore sorti, il sort dans 2 jours. Là, c'est juste une démo dont j'ai l'accès anticipé. Mais le jeu sort bien dans 2 jours, donc c'est très bientôt. De base, il devait sortir le 1er mai, à ce que j'ai vu. Mais en fait, ils l'ont décalé pour continuer, enfin, pour peaufiner l'optimisation, ils disaient notamment. Pas que. Mais ils se sont donné un petit mois en plus. Les gardiens des pyramides, enfin genre ça, moi... Vous voyez, ça c'est une information que j'aurais aimé avoir en rentrant dans une pyramide. Voilà, au niveau des pyramides, t'as des gardiens, ces gardiens ils ont des clés. Là je me dis, attends, mais c'est quoi ta pyramide, elle est où? T'es, enfin... Alors, apparemment, du coup, dans les pyramides, on a un endroit pour poser notre masque. Et ça va réparer des aspects du masque. Les trucs, ça me parle pas du tout. Bon, on a fini le machin. Enfin, je crois. Enfin, il veut pas s'arrêter, mais techniquement, on a fini, là. Ah non, on a fait que la première partie. Non. Même pas. On a fait quoi, alors? J'étais là-dedans, moi. Ah, j'étais dans exploration et aventure. En fait, il m'a mis sur la fin. Dès le début. D'accord. Ok. D'accord. Donc, en fait, officiellement, le tuto, en fait, est beaucoup plus long que ça. Alors, c'est bien d'avoir accès à ça, par contre. Ça, je le critique pas. Mais, ouais, c'est pas évident. Ok. Bon. Quelle heure est-il? Ah, on va commencer à avoir un peu de lumière. C'est bien, ça. Ah, t'as mis un coup de poing. Bah, t'as le droit. Donc moi, je veux quoi? Je veux des branches et des pierres qui sont au sol. Alors, pour l'instant, je vois que dalle. Hein. De ce que je pensais être des choses que je pouvais ramasser, en fait, c'est des petits trucs d'écorce. Est-ce que ça, c'est une branche? Oui. Ok. Ah, j'ai ramassé du caillou, ça m'augmente du minage. Niveau level, ils ont pas l'air d'être très regardants.
Bon, sinon, le jeu, il a l'air sympa. Ah, lui, il dort. Ah. Enchanté. On a fini nos trucs. On a ramassé ce qu'il fallait ramasser. Maintenant, appuyez sur T pour accéder à la page de connaissances et technologies. Sélectionnez feu de camp, puis maintenez le clic pour enfoncer. Ok. Appuyez sur Tab pour ouvrir l'inventaire. Ok, donc là, on va crafter notre feu de camp. Grosso modo. Parce qu'à chaque fois, il me dit faire N, mais laisse-moi tranquille. Donc là, c'est la base du craft. Ah oui, c'est poussé quand même, hein. C'est quand même poussé. Parce que le jeu, là, quand il va sortir, du coup, le 31 mai, je sais plus si je l'ai précisé, mais ce sera une early access. Donc on aura quand même déjà un gros panel présent dans le jeu. Et quand je vois ce genre de craft, je me dis oui, ça se tient. Donc feu de camp. Déverrouillé. On l'a appris. Alors, intensité de la conscience requise. Donc ça, c'est ce qui parlait, c'est lié au masque en fait. Là, apparemment, moi, je suis 6. Et après, il faut des points de technologie. Moi, j'en ai 25 restants. Mais tous les crafts, vous voyez, ne vous demandent pas de points de technologie. Là, ça me dit 0 pour avoir les éléments de base de la construction. Si par contre, je veux aller dans l'étape supérieure, là, c'est 2. Voilà. Ok. Ouais, t'es vite quand même. Alors, c'est bien parce que t'as un. En fait, c'est à double tranchant, ce genre de choses. Parce que c'est bien, parce que t'as un visuel sur ce vers quoi tu peux aller. Parce que là, on a toute la lignée de la menuiserie, par exemple. Vous voyez, menuiserie débutante. Là, après, on a l'intermédiaire. On continue les étapes de construction. Et tu sais donc qu'à terme, bah, en fait, vous voyez, menuiserie fine, bah, on va aller encore plus loin, en fait, d'un point de vue technologique. Donc, c'est bien, en soi. Mais par contre, son défaut, parce que forcément il en faut un. Ça peut pas être que tout blanc ou tout noir des fois. Hein. Il y a des sujets où ça peut être mitigé. Là, c'est le cas. C'est que ça aussi, cet effet, waouh, il y a tout ça, je suis perdu au secours. Alors tu pourrais te dire, vas-y, je me concentre que sur la première colonne. C'est possible. Mais il n'empêche que. Bah, au début, j'ai l'impression qu'il ne te demande pas de points. Bon, c'est pas mal. Quoique si, là, ça m'en demande, cela dit. En fait, j'ai peur qu'après, tu te perdes un peu trop dans les points. Et que peut-être qu'on peut. Enfin, on peut réinitialiser. Mais ça va demander pas mal de prise en main, en fait. C'est pas un. Ça va pas être tout intuitif, genre. Bon, ok. Oh, il me met encore le truc des. Laissez-moi. Ah! Je suis tombée de beaucoup. Laissez-moi avec le tuto, là. Donc, tape pour ouvrir l'inventaire. Inventaire qu'on n'avait pas encore vu. Ok. L'inventaire a l'air grand. Ça, c'est cool. Bord de raccourci, bah, normal. Donc, je voudrais un feu de camp. Feu de camp, il faut 5 de fibres, 5 branches, 5 cakes. Ok. Attends. Utiliser, équiper. Ben, comment je fais? Ok. C'est avec eux. Très bien. Donc je viens de me prendre 4 niveaux. Ok. Ah, des connaissances et de craft à l'immense. Oui, il est lourd. Hein. Il est très très. Il est très très gros le petit. Il peut pas être construit ici. Oui, bah, c'est un coin. Regardez là. Moi je vais me mettre là. Ce sera mon caillou. Ils ont fait un feu de camp. Accélération de la consommation d'eau et fatigue facile. Parce que je me sens tiède. D'accord. Pourquoi pas. C'est cohérent. Maintenant, il faut apprendre les outils de pierre. Donc, les outils primitifs. Pareil, ne nous prennent pas de points. Bah, tout ce qui prend pas de points, en vrai. Voilà. Donc là, on pense de quoi faire une maison en paille. De toute évidence. Avec le mobilier, le stockage, le panel global. Je vais un petit peu plus vite que la musique parce que... fabrication. Et donc faut qu'on se fasse une pioche. Donc la pioche on l'a ici. Eh hey, j'en ai fait deux. Rip. J'ai appuyé sur un truc, ça a pas marché. Et après j'ai fait E et clic gauche en même temps. Et ça m'en a lancé. C'est pas grave. Voilà, j'ai une pioche.
J'imagine qu'il faut que je tape un caillou comme ça. Hein? Bim, l'ai éclaté. Donc par contre c'est cool, il loot bien tout seul, j'ai pas à ramasser un caillou qui est cassé. Ah! Donc ça c'est tous les gens qui sont sur le serveur. La chasse, le voyage, ok. À Champierre. Ok, donc c'est si je fais un double clic en fait, ça marche à la souris. Je suis pas forcément obligée de faire E. Utiliser la hache en pierre. Enfin, la hache en pierre. Oh, je peux taper ça peut-être. Attendez, je vais enlever ça parce que. Voilà. Donc, clairement, le tuto, j'avoue, je le lis plus. J'ai déjà assez lu. Et en plus, j'ai lu le truc qui était peut-être le moins OP à lire au moment donné. Maintenant il faut une fossile pour récupérer un buisson. Bon, par contre c'est assez bien comment il présente la survie, parce que ben, pour ceux qui ont peut-être jamais joué à un jeu de survie, ben, et qui savent pas comment t'es censé survivre, en gros, ben, il t'explique vraiment chaque étape, etc. C'est bien. Ouvrez la page du personnage, sélectionnez l'attribut que vous souhaitez améliorer, appuyez sur E, ok. Donc ça c'est notre perso. Notre perso, donc il a des objets, ça c'est notre inventaire donc. On a un travail mais pour l'instant visiblement on n'en a pas. On a 500 sur 1000 de loyauté, je suis même pas loyale à 100% avec moi-même, c'est con quand même. Ah mais c'est vrai, c'est triste. Je suis niveau 9 sinon. Donc ça fait que j'ai une perception de 5, une constitution de 6, une puissance de 6, une robustesse de 7, une agilité de 9. Niveau de maîtrise. Donc là on a toutes les compétences possibles. Qui sont pareilles, très vastes. Mais vu le panel de craft, je suis sincèrement pas très étonnée. Chaque compétence visiblement va jusqu'à 50. Est-ce que ce sera développé plus tard au cours du développement du jeu? Je ne sais pas. Et ça, c'est nos spécialisations, pardon, avec nos armes. Ce que je vous disais tout à l'heure, tu veux devenir archer, bah c'est clairement en utilisant un arc que tu vas développer ta compétence, en fait. C'est pas là, je vais taper avec ma hache que je vais pouvoir mettre des points ici. Ça ne marche pas. C'était quoi que je devais faire déjà? Sélectionnez l'attribut que vous souhaitez améliorer. Et appuyez sur E. Alors, chaque point de perception augmente la résistance au coma. Mais la résistance au coma, ça veut dire que quelqu'un peut me faire venir dans sa tribu, tu sais? Je sais pas. Même entre vrais humains, vous savez, on a cette histoire de persuasion. Enfin, de dissuasion. La constitution, du coup, ça limite le PV. La ténacité. Mais par contre, t'as une meilleure récupération, en fait. Ok. Récupération en tout genre, du coup, aussi bien tes points de vie que si t'as du poison dans le corps, etc. Tu le chasses vite, quoi. Ta puissance. Ok. Robustesse. Ça augmente ta limite d'endurance, mais ça réduit la consommation d'endurance. C'est toujours une espèce de malus qui se fait, visiblement. Ou souvent, en tout cas. Bon, allez, je vais mettre un peu de puissance. Ajouter des points. Voilà. Confirmé. Voilà, je me suis mis un point. Je sais pas trop où on voit le nombre de points que j'ai disponibles. Ah, c'est là, 8. C'est écrit juste en dessous. Très bien, on en a mis un. Maintenant, donc les armes primitives, il faut qu'on apprenne et il faut qu'on se fasse une lance en bois. Les armes primitives, ici, on va toutes les apprendre. Hein. Donc on a la lance, l'arc, le marteau et le bouclier. Et donc on va se crafter
une lance, mais pour ça, il nous faut 5 bûches et 5 bois durs. Ou au moins l'un des deux plutôt. Parce qu'ils mettent 0 sur 5. Donc si soit tu mets 5 bûches, soit tu mets 5 bois durs. En plus des deux branches. Et après, on a les caractéristiques de dégâts, etc. De la lance. Très bien. Donc il faut que je trouve un bois différent. Qu'est-ce que t'as, petit chat? Tu veux un câlin? Hop. On va essayer de taper un autre type de bois. Écorce. Par contre, les niveaux, c'est affolant quand même. Ok, on a eu 35 bois durs. On est OP. Donc, une lance. Choisis un ou plusieurs matériaux. Enfin, on a ce qu'il faut, donc on s'en fout. Voilà. Dis coucou le minou, t'as vu, il t'en dit coucou. Bah ouais. Hein. Ah, là ça me parle anglais. Donc il faut s'équiper de la lance. Lance que j'ai donc ici. Je vais changer mes raccourcis plus tard. Mais Et il faut qu'on fasse F pour faire une attaque spéciale. D'accord. Mais attends, mais... Elle me reste dans la main ou... Attends, mais c'était fait exprès? Ouvrir la map, vous utilisez votre position. Ouais, je vais regarder après. Attendez, ça m'a perturbé, cette connerie. C'est peut-être pour qu'on la perde pas. C'est rigolo. C'est un peu abusé. Bah alors là, vu qu'on est sur serveur officiel, du coup, est-ce qu'ils ont fait volontairement des rates assez élevés pour le côté démo? Je sais pas du tout. Ça, je vous avoue, je ne sais pas. Oula. Je sais pas de quoi vous parlez, moi. Map. Hop. Donc voilà la map. Oh, elle est grande. Donc, on a une pyramide antique ici. Là, on a des points qu'on ne sait pas ce que c'est. Un site mystérieux. Là, on sait qu'il y a un gardien exilé. Forêt tropicale. Donc ça, c'est plus les zones. Utilisez vos armes et chassez un animal sauvage dans la forêt tropicale. Table pour accéder au menu de fabrication et fabriquer un couteau de boucher en pierre. Ouais, ça va être pour le, voilà, le dépecer. Ça se tient. Je suis pas sûre. Est-ce que je l'ai, le couteau de boucher? Ah si, je l'ai. Ok. Donc on l'a. Et maintenant, il faut qu'on essaie de se taper une bébête. Peut-être que je mange aussi, non? Qu'est-ce que ça m'apporte des baies? Non, qu'est-ce qu'elle a mangé? Ah, elle a utilisé un bol. D'accord. Et là, je lui ai fait manger des baies. J'ai perdu de ouf de la vie. Comment ça se fait? T'as mangé quoi? C'est quoi le bol? C'est quoi ça? Le bouillon de viande. Ah ben non, ça c'est pour se faire des... J'allais dire des esclaves. En vrai, c'est un peu ça, hein, presque. Ok. Ah non, c'est parce que les PV max augmentent. D'accord. Très bien. Ah oui, c'est écrit en haut. Effectivement, j'ai un buff de bouillon de viande. Okay. Je sais pas si tu peux rendre la HUD peut-être moins prenante. En fait, des fois, il y a tellement d'infos que même quand il y en a une qui pop en plus sur toi, ben, je la capte pas. Alors pour taper une bête, où est-ce que je peux chasser une bête? C'est un peu... J'aurais peut-être dû détruire le feu de camp, non? Non, mais je me dis peut-être qu'il va gêner des gens. Enfin, on est quand même sur un serveur officiel, quoi. C'est chiant. Mais je sais plus où il est, moi. Je l'ai mis à côté d'un caillou. Mais il y a plein de cailloux. Ou alors il est détruit à un moment donné. Je vois pas sur la map façon mon feu de camp. Oh, il était pas si loin que ça, mais... Peut-être qu'il se détruit. Hein. Ou peut-être qu'on peut me le détruire. Oh, il y a une bête! Il y a un gros dindon! Vas-y, viens! Allez. Attends, prends ta lance.
Bon. Voilà. Ok. Dépeçons la dinde. Ça n'a pas marché. Okay. C'est une dinde niveau 7. C'était un mâle de 12 kilos. Arte violet. Ok, il était bien en vrai. Ça me dit où j'ai mis mes shoots. Appuyez longuement pour voir plus d'action. Ben. Non, mais je veux taper. Enfin, je veux la dépecer, moi. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, on a du sang, de l'os, des plumes et de la viande. Très bien. On se met la viande cuite en appuyant sur E. Mais là, elle va pas être cuite, je l'ai pas fait cuire. Vous êtes mignons les gars, mais... J'aurais bien aimé retrouver mon feu de camp quand même. Si j'avais su. Ah, attends Logan. Lâche le clavier là. Voilà. Non, c'est sympa par contre l'aspect de la chasse. Il a l'air quand même de se vouloir assez pousser le jeu. C'est un machin de tuto par contre, ça c'est... Puis il a l'air d'être assez fluide. Alors là, on est au tout début. On n'est pas non plus en train de se battre avec, je sais pas, 10 mobs autour de nous. Enfin, voilà, mais... il est joli. Ensuite, donc, ouvrir l'inventaire, consommer de la viande cuite, peut-être griller sur un feu de joie ou un feu de camp, ou utiliser directement dans la barre de raccourci. Ok. Bon, il va falloir que je refasse un feu de camp, parce que de toute évidence, j'ai perdu le mien. Pas trop me repérer. Donc, fabrication. Je voudrais de la viande cuite. Vas-y. Et c'est 5 par 5. Bah, en vrai, autant faire tout cuire, non? Je peux pas mettre tout le stack. Ah, par contre, faut mettre du combustible. Ah, c'était... Bah non, techniquement, le machin serait pas détruit, ce serait juste éteint. Je peux mettre un point sur la carte. Peut-être. On peut regarder. Je vais tout cuire. Parce que... Ah voilà, stock du feu, il est là en fait. Okay. Alors même s'il est dans le stock du feu, ça marche pas. Pourquoi ça marche plus? Parce que je clique pas là. Attends. Tu veux pas, ouais, le prendre naturellement. Je crois qu'il peut pas stocker plus de 8 trucs le feu. J'ai l'impression, après je suis pas sûre, mais c'est l'impression que ça me donne. Ok. Et longuement pour voir plus d'interactions. Déplacer. Non, récupérer. Hop là. Alors se mettre un point sur la map, est-ce qu'on peut? Raccourci curseur, puis un raccourci personnalisé. Donc oui, on peut. On a un panel, on peut même mettre des coordonnées exactes. T'es pas obligé d'être à l'endroit pour mettre un ping. Et tu peux nommer ton point et tout, ça c'est cool. Donc je dois consommer la viande. Viande que j'ai dans mon inventaire. Voilà. Beaucoup d'anticides. Ça va et toi? Qu'on fabrique 12 cordes grossières. Est-ce que je peux en mettre 12 d'un coup? Donc ça c'est fabrication manuelle. Propre. Ah si, là je peux en mettre plusieurs du coup. Je sais pas combien j'en ai en tout. Elles se mettent où mes cordes là? Ah là. Bon, j'en aurai plus qu'il n'en faut. Très bien. Avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Équipement, toile. Ah, on va s'habiller. Amazing. Enfin, à mon avis, équipement en toile, on va pas trop s'enjailler. Hein.
Donc là, ça commence à me prendre des points déjà. Donc on a l'équipement de défense et l'équipement d'attaque. Je vais prendre les deux parce que je suis curieuse de savoir. Menu de fabrication, il nous faut 20 toiles grossières. Toiles grossières. Mince. Et j'ai pas le temps. Donc pareil, on va en avoir un peu plus, mais c'est pas grave. Oui, Lolo. Oui. Moi, tu vas pouvoir cacher certaines parties de ton perso. C'est ça. Après, je m'attends pas non plus à... Hein, voilà. Comme on dit, ça reste grossier. Donc, on a le pantalon, les gants, les chaussures, un vêtement. Bah, vas-y. On va pouvoir tout faire en vrai. Mais si, là, elle est un peu, voilà, elle est un peu cachée. Voilà, si je me mets ici, voilà à quoi ressemble notre tenue grossière. En termes d'apport, qu'on va donc peut-être voir ici. PV max, défense, coefficient sonore et ténacité de la jambe. D'accord. Ok. Là, la page connaissance, tissage débutant. Ok, on va apprendre à soigner maintenant. Ouais, c'est mieux. Tissage débutant. Là. Pareil, ça commence à nous prendre des points. Donc on a le tissage simple. On va automatiquement. Ah oui, bah oui, il faut que tu apprennes auquel nos problèmes, vas-y. Tout, hein. Il nous reste encore plein de points, par exemple. Et vous voulez qu'on fasse 3 bandages. D'accord. Bandage simple. Alors, on peut écrire ici. Ah oui, ça y est, vu que je suis en QWERTY. Je m'aide pas. Ça se craft par 2. Mais il faut de la toile grossière pour ça aussi. Donc... Et la toile grossière, ça se fait avec de la fibre. Donc ça, j'en ai encore plein. Voilà. Et on va le mettre donc en raccourci. C'est quoi ça, du coup? Ah, c'est une lampe. C'est bien, en vrai. On va garder les baies. Baies de nourriture. Les outils. Peu de camp, pourquoi pas. Et du coup, des bandages. Hop. Mince. Maintenant, il veut qu'on se fasse une petite maison. Très bien. Donc, il nous faut 6 fondations en paille. Alors, je suis très protocolaire pour l'instant, mais c'est bien parce que ça nous permet en fait juste de voir les différents aspects du jeu. Donc, se nourrir, se soigner, chasser, voir un peu les interfaces, etc. C'est un peu bête, mais pour une découverte, c'est plutôt très bien. J'aimerais bien en crafter plusieurs d'un coup. Il y a forcément un truc que je vois pas. Parce que si je fais E là, je peux pas façon en faire plus. Mais il me faut de la corde. C'est bizarre quand même que j'arrive pas à faire plus. De la corde grossière. Je sais pas combien il en fallait, mais on va en faire plusieurs. Comme ça, on sera bien. Fondation. Donc ça, on a dit qu'il en fallait 6. Hop, un nom. On en a déjà une. Voilà. Bon, forcément, là, on prend le XP avec ce genre de craft. Un niveau par fondation, c'est peut-être beaucoup. Trouver un emplacement approprié. Ok. Ah. Le tuto, on efface.
pas s'il y a vraiment des trucs un endroit opti. Moi je vais décréter que ce sera ici. Ah. Collision détectée. Enfin, ça commence bien. On a ça. Le feu de joie. Il y a un dindon là-bas. Un feu de joie. Donc ça, faut qu'on l'apprenne. Parce qu'on l'a pas pris, je crois, tout à l'heure. Les feux, c'était où déjà? J'allais dire, tu peux rechercher le feu? Ah ouais. Ça, c'est bien. Que le panel étant large, ton CD, j'ai envie de dire. Vas-y, craft un feu de joie. Soyons joyeux. Waouh, on a un succès obtenu. Waouh, ok. Est-ce que je peux le mettre? Ok. T'es pas obligé de le mettre sur une fondation. Il n'y a pas de gestion de soif et de fatigue. Si, on a les petits points en bas, du coup, où on a visiblement le poids, la faim, la soif, la fatigue. Et alors, le petit carré vert sur la gauche, pour moi, c'est lié au masque. Mais vous dire exactement ce que ça veut dire, je ne sais pas. Visez le feu de joie, appuyez sur E. Ah, bah bonjour. Et dedans, donc, on peut aussi faire à manger. Très bien. Découvert votre camp dans ce monde dangereux et souhaite se joindre à vous pour avancer ensemble. Voilà. Si tu veux. Je laisse mon feu de camp. Ensuite. Mais par contre, attends, elle est beaucoup plus levée que moi. 17. Mais elle s'est TP ici? Compris. Viser le feu de joie et appuyer sur E, gna gna. Combustible. Ah, tu veux que j'ajoute du combustible, donc tu veux que je mette du bois, quoi. Grosso modo. Attends. Voilà. Comme ça, il va brûler pendant 1h20. Alors que si je l'enlève, c'est 6 minutes. Voilà. Fabriquez des matériaux de construction en paille et construisez un refuge pour éviter que le feu de joie ne soit éteint par la pluie. D'accord. Un refuge, c'est-à-dire... Excusez un refuge. Alors non, je suis pas dans le bon truc. Si je tape refuge. Rien à voir. Ça n'existe pas. Alors, on va taper paille. Je dis un refuge, en fait, c'est juste que tu veux que je fasse une maison, quoi. On est d'accord. Très bien. Bah non, ça va être sur moi du coup, parce que j'avais tout appris. Il nous faut des murs. On va refaire de la corde parce qu'on n'en a pas tant que ça. La corde grossière. Je sais pas ce qu'il va me manquer comme compo. C'est de la liane, on en a encore pas mal aussi. On a fait une maison. Mince. Donc il nous faut déjà. Un cadre de porte. La porte. Elle est où? Là. Il nous faut... Alors le cadre de fenêtre. Je vois la fenêtre, mais pas le cadre de fenêtre. On va voir. On va faire des murs. Donc un... Et il nous faut des toits. Mais je crois que j'en ai pas assez. Mmh. Hop. Mets ça, Jean, ici. Ok. Ah oui, du coup, on se voit à deux maintenant ici. C'est rigolo. Là, les murs. Ma porte aussi, tant qu'à faire. Ah, à chaque fois, je me trompe. Trop proche du feu de joie pour construire. N'empêche que je fais ce que je veux. Ah, pied longuement pour changer de style.
Voilà comment on fait pour avoir le... Pour se faire des fenêtres. Alors par contre, appuyez longuement sur Z, sachant que Z, c'est... Attends, c'est l'endroit pour avancer. C'est un peu... Non, c'est un problème quand même. Là, tu peux pas changer de style en appuyant sur Z. Je sais pas comment t'es censé faire une fenêtre. Attendez, sur le QWERTY, du coup... Non, c'est pas ça. Bah, il faut que je réfléchisse. Non. Parce que moi, je regarde mon clavier AZERTY. Mais je suis en QWERTY. Donc, là, je vais changer pour m'aider. Mais il fallait que je rebaigne toutes mes touches, en fait. Bon, très bien. Non, moi, je veux une fenêtre, du coup. Bon, ça. Je veux ça. Là. Il n'y a qu'à mettre une fenêtre. Une fenêtre là. Il n'y a qu'à en mettre une. Là. Et... Et j'ai plus de monde. Mais j'ai une porte. Et... Voici pire. Ok. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Il nous en faut encore 5. Ah, j'en ai marre de faire I. C'est pas I, cocotte. Paille. Qu'est-ce qui va me manquer? Bah, de la paille. C'est con, hein. Voilà, c'est de la paille. J'ai pas fait attention à comment j'en ai récolté. Okay. C'est comme la fibre. Je vais ramasser un peu tout. Et... J'ai plus... Si c'est des taches de sang ça qu'il y a par terre, les feuilles rouges. Je le trouve vraiment joli, il a l'air complet à voir plus loin dans le gameplay. Oui, c'est ça. Est-ce que vraiment ça se résume, entre guillemets, juste à faire ta tribu, etc. Et donc à l'agrandir autant que possible. Parce qu'il y a un système de percer les mystères aussi du masque. Donc à voir comment l'histoire est implémentée dans le jeu, notamment avec le côté multi, etc. Le rythme aussi du jeu. Pour l'instant, la survie, en tout cas, pour l'instant, ça va. Je suis pas embêtée avec ça. Tab. Donc on retourne sur la paille. Non, on a dit qu'il... Je crois qu'il va me refaire de la corde aussi. Dans le doute. Et je crois que j'avais dit qu'il nous faudra encore 5 murs. J'ai un insecte venimeux qui est un médicament du coup. Voilà, c'est l'histoire qui fera la diff. Bah oui, parce qu'au final, c'est vrai que si on est juste là, le jeu il a beau être joli, bien pensé, etc. Bon, après tu tournes vite en rond, quoi. Il faut quand même des objectifs. Des objectifs prenants. Ok. Par contre, le... je suis pas sûre de pouvoir mettre un toit. Enfin, ça va toucher le... Ça va toucher le feu, hein. Enfin, je pense. Ah, si c'est un toit pointu, non, pas forcément. Mais si c'est forcément un toit pointu... Donc, comment tu te goupilles, toi? D'accord, ok. T'es pas un toit pointu pointu, en fait. Ah si, mais je veux dire, c'est pas un toit pointu tout fait. C'est une pente. C'est pas pareil. Ah. C'est vrai que j'en ai pas crafté plus que ça, je crois. Ah, mais j'ai un mur en trop, du coup. Yep.
Donc il nous en faut encore 4. J'en ai marre de faire I. Tapez-moi. Un toit. Hop, 4. Voilà. Attendez, il fait l'angle? Alors attendez, le jeu est peut-être bien foutu. On va faire ce que je voulais de base, mais j'ai l'impression que monsieur jeu pense l'angle. Donc on va en refaire un. Hein. Douceur du foyer. Donc au final, ça touche pas. C'est... Ah, ça m'a validé le truc du coup. Il est sécurisé. Mais il n'empêche que j'ai pas fini mon histoire là. J'ai vu un angle se faire. Alors, est-ce que c'est bien goupillé ou pas? Je suis là pour découvrir, moi. Compte-toi, mon ami. Ah non. J'y ai cru. Mais non, en fait, c'est juste une... Attendez, d'extérieur, on verra peut-être mieux. Vous voyez, si je me mets là... Voilà, ça fait juste une pente. Donc, non. Ça ne crée pas un angle tout seul. Je me disais, il veut quoi le dindon? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on est censé faire? La menuiserie. Établis une menuiserie et... ok. La menuiserie, quoi. Mince. Menuiserie. Donc l'établi. Voilà. Et le coffre. Voilà, on a pompé. Placer un établi de menuiserie. Pour ça, il nous faut du bois. On n'a pas. Mais on peut aller chercher. Pareil, un niveau loot... Je sais pas si là c'est boosté en termes de ressources. J'ai envie de penser que oui, vu les chiffres. Parce que me faire quand même 35 bûches sur un... Alors c'est un gros arbre, certes, mais... Mais c'est quand même généreux. Disons que c'est plus généreux que certains autres jeux de survie. Alors, le but, c'est pas de faire comme tout le monde. C'est pas forcément ça, mais... Comme je disais, les niveaux, tout ça, tout va très vite. Et vu qu'on est limité à 50... À voir. Petit établi. On va pas avoir beaucoup de place par contre dans ma cahute. Hein. Mais vu que c'est juste de la découverte pour vraiment prendre les premières bases du jeu, on est vraiment sur un aspect... Enfin, le but là de ce que je fais, c'est vraiment la découverte des éléments de base. Quoi. Oula, alors. Je ne peux pas la crafter. Pourquoi? Quoi ? Impossible à construire ici. Très bien. Donc c'est pas en intérieur que ça se met. Pourquoi on dirait qu'il y a un système de planches ? Pourquoi là tu veux pas ? Ça peut être construit sur un sol. Et là tu estimes... Ah si, là je peux. Attendez. Mon perso il se met là. Ah mais t'es obligé de le mettre en plein milieu. Dommage. Bon, à la limite... Au pire que je puisse faire. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je fasse là-dedans? Des manches en bois. Pour avoir des armes. Du coup supérieures. Ok. Faut qu'il en voulait 5. Oui. Armes en pierre. Là. Là du coup on avait le primitif en bois, là on passerait au niveau supérieur. On a des projectiles, toujours le marteau, on a une lame, on a une épée, on a le double lame et on a un engin de siège en bois et pierre. Oui, moi je prends tout, j'ai dépensé sans compter. Donc là on fabrique une arme en pierre, on prend celle qu'on veut. Sachant que du coup, moi je voudrais... Bouge pas sur le clavier bébé. Hein. Non mais Lolo.
T'es un peu dans l'abus, toi. Sacré bébé. Manche en bois. Bah, j'ai des manches en bois. Non, c'est pas ça que tu veux. Tu veux que je les ai sur moi? D'accord, faut que je les ai sur moi et pas dans le truc. Très bien. Ici la lance. Pourquoi pas. Tu veux pas... Ah si, ça y est. Alors, on n'a pas vu le craft, mais il l'a fait. Une caisse en paille. Ouais, alors ça, c'est pas con, parce que... Là, je suis un peu... Ça va être un peu le bordel. Enfin, ce sera pas de refus, quoi. Donc, une petite boîte. Hop. Ah. Donc, on va mettre les trucs que je m'en fous. Mon autre feu de camp, il est où? J'ai un toit. J'ai ça. J'ai un bol. Du coup... Mais comment je peux avoir autant de bouillon de viande? J'ai eu ça en loot d'un truc? Je sais pas où j'ai looté ça. J'ai des noix... Je vais pas tout poser, hein, mais je vais poser des trucs, quoi. La pioche en pierre... J'en ai une de niveau supérieur. Alors, je crois que c'est le premier outil que j'en avais crafté deux. Je savais pas que... Je savais pas qu'il peut avoir un niveau différent avec les mêmes éléments. T'avais un pourcentage de bonus de craft, en gros. Parce que grosso modo, c'est ça. Ok, viser la caisse, appuyer sur E, définir le type de geste, ok, genre plante. Ah. Alors, comment tu veux que je définisse le type d'objet? Définir les objets de stockage, L. Bon, tu veux que je fasse plante, mais... Bah oui. Du coup, ça te va pas, Michel. Tu m'embêtes. Moi, j'avais déjà vidé mes poches. Faut que j'aille rechercher de la paille. Oula, il roule back. Je suis déjà niveau 17 en récolte. Is ok. Va bien. Donc, moi vouloir une autre caisse. Ok. Comme ça, je vais faire le tuto comme il le veut. C'est-à-dire... non, je veux pas que tu te snaps. Donc, c'est avec la touche H. Là, où je l'ai posé de travers, donc ça m'aide pas. Donc, toi. Hop. Et notre objectif, c'est que ce soit un coffre de plantes. Voilà. Et t'appuies sur G pour mettre toutes tes plantes. Basique. Rendez-vous dans une ruine ou un camp. Approchez-vous d'un barbare dont les PV sont inférieurs à 20%. Suivez les instructions et appuyez sur E pour dissuader le barbare. Appuyez sur E pour porter le barbare dissuadé à la maison. Visez un barbare dissuadé. Maintenez la touche pour voir les objets. Placez les aliments liquides. Ouais, c'est le timing d'humain, quoi. Ok. Et les ruines, c'est où? Là, on a un site. Mais... En fait, je me dis, est-ce que ça peut être ça? Que si je fais ça, je le vois quand je me balade. Ah ouais. Bon, on va essayer. Parce que pour moi, c'est pas enfin, c'est pas... un site mystérieux, si j'avais bien compris tout à l'heure le tuto qu'on a lu. C'est censé être un endroit de loot. Et qui a d'ailleurs... Il y a d'autres animaux.
Il y aurait des tapirs de loin, mais je vois pas très bien les canines. C'est sensiblement un tapir. Mais pour moi, c'est pas... Enfin, il disait qu'il y avait un gardien, justement, et que ça servait à rien d'essayer de récupérer ses guerriers, parce qu'ils sont déjà sous l'emprise du masque du gardien. Mais par contre, les points inconnus, est-ce que ça serait pas... lié à notre... à ce qu'on recherche. Je sais pas. Voilà. Que là, le but, c'est que je me batte. Bien. Site antique. Ah, ma merde. C'est pas le but. Tiens, il y a un bonhomme. Ah bah non, c'est un... c'est un animal. Ils sont sur un site antique. Ils vont me charger ou quoi, eux? Ça a l'air. Aïté! Un tapir fou! Ok, d'accord, nos problèmes, hein. Ah, la nerf. Je peux aller là-dedans? Aïe. Aïe. Alors, j'ai pas beaucoup de temps. Ça serait bien que tu prennes tout rapidement. Parce que sinon, tu vas mourir. Il y a peut-être un bouton tout prendre, mais je l'ai pas vu. Tout coincé. Je fuis. On voit notre maison là-bas. C'est cool. Je fuis. Et des champignons. Bon, un champignon, ça donne 10. C'est cool. Bon, ça m'aide pas cette histoire. Je peux aller où, moi? Bah... Je peux essayer d'aller là-bas, mais enfin, pour moi, c'est pas ça. Hein. Dans une ruine ou un camp de barbares. Bon, clairement, c'est pas là où je vais, mais peut-être que sur notre chemin, on en trouvera. Peut-être que c'est juste pas marqué sur la map et que t'es censé en trouver. C'est ça, moi, que je veux. Mais par contre, ils prennent pas du tout leur part, là. Mais d'un côté, je suis pas avec ma pique, moi. Aïe. Je prends ma part. Ah, mais je rampe. Wouah. Bah, mais je tapais au coup de poing aussi. C'est ma faute. Hein. Je croyais l'avoir sorti, mais il l'a rangé. Ok, donc je suis morte ici. C'est là qu'il y a un truc. Vas-y, on y va. Oh, je vais être nue, du coup. Oh, purée, oui. Moi, viens. Est-ce que tu vois ta mort? Ouais. Pack mortuaire. Parfait. Ne vous inquiétez pas, je reviens. Il bon, n'y a pas moyen de faire que ça arrête de parler. Hein. Ouais. Attendez, ils vont m'éclater. Vas-y, venez par là, là. Wouah! Eh oh! Mais c'est comment on fait pour tout prendre? Bon. T'es con. Et en plus, ils sont intelligents. Attendez. Attends, appuyez longuement pour voir plus d'action. Ok. Donc c'est pas ça. Donc j'essaie de voir comment on peut tout prendre rapidement. Attendez. Oh, genre tu m'as vu là. Y'a pas un truc tout prendre là? Tout retirer. T'es... Bon, je crois que je vais remourir, mais... Voilà. Je crois que c'est T. Non, parce que c'est bon, on va dire. Truc par truc, c'est pas ouf, hein. Il
Il n'est pas arrivé, hein. Non, mais au moins qu'on ait vu les éléments de base quand même du jeu. Salut les gars. Alors, E, T, hop, je me casse. Ah, ça me rhabille direct. Ok, vas-y, remets, prends ta pique là. Par contre, je lui fais pas mal, hein. Il y a un niveau 1. Je crois que tout à l'heure, mon attaque spéciale, c'était F, non? Ok, c'était une. J'ai rien pris dans la tronche. Ah! Je vais taire. Bah en fait, niveau combat, je suis un peu cacaboule. Je sais pas comment je suis censée récupérer de la vie. Encore là, je me dis, ils sont deux ou plus? Bon, sinon, il y a un truc aussi que j'ai pas fait. C'est ça. Tout à l'heure, mon personnage, j'avais plein de points. J'en ai 15. On va peut-être essayer de... Voilà. Oui, Logan. Pourquoi tu... Bien. Là, on fait plus de dégâts avec ça, vas-y. Hop, voilà. On s'ajoute des points. Le dindon qui squatte. Hop. Ah! Eh oh, tu te calmes! Par contre, ils régènent à chaque fois? Ou ils ont pas régène? Je vois pas bien. Comment on fait une roulade? Je vois pas parce qu'il y a Logan devant l'écran. Alt. Okay. Ok, je vais pas être efficace du tout. Je vais mourir. Plus d'énergie. Mange. Ça limite mon max PV, mais par contre ça augmente la régène. Mais ça reste lent. Hein. J'ai un peu de mal à anticiper leur manière de se battre. Oh, je terre. Attaque de base, défense. Attaque en sautant, verrouiller la cible. Ouais, y a pas non plus tant de trucs que ça. Bon, le 1, là, je lui ai quand même mis un bon shoot, mais je suis pas sûre qu'il se régène pas. On va voir. Bah, je voulais au moins en montrer un. Après, bon, si j'y arrive pas, bon, j'y arrive pas. Sinon, je leur amène un tapir fou. Salut. E-T, vas-y cours. Sort ta lance. Ah ouais si, il régène à chaque fois. Faites voir le 1. Ah ouais. Ouais, je suis pas assez puissante là. Non, je suis pas assez puissante. Clairement pas. Surtout pas à 2, en fait. 2 contre 1 déjà, c'est pas foufou. Alors là, non. Là c'est... Là, c'est clairement pas opti. Bon, cela étant, malgré quelques approches du jeu qui du coup me plaisent moyen, notamment d'un point de vue rapports sociaux, grosso modo, hein, j'avoue que moi, le côté t'es obligé d'imposer par la... T'as pas grande bienveillance. Bon, parce que je suis le plus fan. Cela étant, le jeu est joli.
Le jeu a l'air quand même bien complet de ce qu'on a vu, que ce soit dans les crafts, dans la manière de fonctionner. Il a l'air quand même d'être bien goupillé, voilà. Niveau survie, pour l'instant, j'en ai pas ressenti un gros impact, voilà. On n'est pas là à mourir de faim et de soif toutes les 10 secondes. C'est pas en tout cas ce qui ressort le plus. Mais vu que je ne sais pas du tout s'il y a des réglages serveurs, etc., en serveur officiel, donc je me rends pas compte, voilà. Est-ce que là, c'est un réglage qui est... est-ce qu'il y a un réglage déjà? J'imagine que oui. Mais si oui, est-ce qu'il est totalement disproportionné avec un côté vanilla du jeu ou pas? Ça, je ne sais pas. Honnêtement, j'ose espérer que oui, parce que si c'est pas le cas, c'est quand même un peu speed. Parce que même si on a plusieurs compétences à monter, etc., on monte quand même très vite. Et je me dis, je suis pas en tribu. Bon, si, j'ai quelqu'un là qui m'a rejoint en cours de route, mais c'est pas la personne qui a fait que je suis à tout monter. Donc c'est pareil, il parlait d'un système de partage d'XP, ça peut monter du coup peut-être trop vite. Donc à voir si ça vous dit qu'on retourne sur le jeu pour essayer de voir un peu plus cet aspect, enfin voir un peu plus, plutôt voir concrètement ce côté dissuasion, etc. Bah, n'hésitez pas à me le dire, on pourra faire ça. Sinon, bah, ça peut être un bon jeu de survie. Curieuse de voir vraiment, voilà, avec un aspect sortie, parce que là, voilà, moi je joue à une démo, même si ça reste sur le jeu et qu'on voit déjà beaucoup de choses, ça reste pas le jeu fini. Niveau optimisation, je vous avoue que sur le coup, vu qu'ils parlaient qu'ils avaient eu des soucis, etc., d'où le fait qu'ils reportaient la sortie du jeu, ça m'inquiétait un peu. Au final, pour l'instant, bon, je suis pas trop... Enfin, pour l'instant, ça va. On a eu un bébé rollback tout à l'heure, c'était pas bien méchant. Donc ça va. Enfin, moi je trouve ça bien. Maintenant, comme je vous disais, bah, avoir l'avenir de tout ça... Merci d'avoir suivi cette découverte. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez en voir plus. Et puis voilà, c'était donc Stalemate et ça sort le 31 mai.